Je vous ai déjà parlé de cet homme. Viva la libertad, carajo! Viva la libertad, carajo! Il fait très peur. L'économiste ultralibéral annonce le début d'une nouvelle ère, faite de privatisation et de coupes budgétaires. C'est le mal incarné. Redoutant la colère de la rue, après avoir annoncé des politiques d'austérité, le gouvernement a menacé de priver les protestataires d'aide sociale, alors qu'un habitant sur deux reçoit une aide de l'État ou d'une organisation en Argentine. Et on le soupçonne d'être fou. Comme lorsqu'il fait la une de cet hebdomadaire, affirmant avoir reçu trois visites du Christ, ou s'entretenir avec Dieu grâce au canal de lumière ouvert par son chien. Mais quand je m'étais penché sur son discours d'investiture, ça ne m'avait pas semblé éloigné des canons du genre. En tout cas, depuis la lorgnette de ma discipline, il ne m'a pas semblé zinzin. Et puis, cette semaine, il a commis ce qu'on appelle communément une dinguerie. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. C'est-à-dire que le gars est allé au Forum économique international de Davos pour les traiter de communistes. Et du coup, il faut qu'on en parle. La vérité, c'est que je trouve sincèrement que le discours de Javier Milei était exceptionnel. Vous savez, on se plaint souvent du fait que les discours politiques sont creux. Tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, ou morose, il faut penser printemps. Et là, il s'agissait vraiment d'un discours avec du fond. J'en profite pour préciser ce qu'est le fond. Voilà comment notre orateur débute son discours. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario, son su causa. À ce stade, ce n'est qu'une série d'affirmations, de slogans. Et si vous voulez aller au-delà de la surface, vous allez devoir apporter deux ingrédients. Des données qualitatives pour donner du corps à vos propos, par exemple en inscrivant vos constats dans une perspective historique. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. En faisant ça, vous inscrivez votre discours dans le réel, mais vous devez aussi aller au-delà de l'anecdotique, et pour ce faire, vous allez devoir mobiliser des données quantitatives. Lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Si vous faites ça, avancer votre thèse et la démontrer à l'aide de données qualitatives et quantitatives, c'est déjà un travail sérieux. Mais Javier Milei va encore plus en profondeur. El problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que amparados en un marco teórico equivocado socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. C'est la première fois que je vois un orateur politique proposer quelque chose de ce genre. Et si à ce stade vous ne prenez pas la mesure de ce qu'a fait Javier Milei, c'est le moment de vous concentrer. Dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, paru en 1962, Thomas Kuhn explique le progrès scientifique comme le passage d'une science normale à une science extraordinaire. C'est-à-dire que pendant une période donnée, les chercheurs vont travailler au sein d'un paradigme, des lois, des théories, des
des applications et des dispositifs expérimentaux qui permettent d'expliquer les événements qu'ils observent. Et s'ils observent quelque chose de surprenant, ils ne vont pas s'amuser à tout réinventer, ils vont d'abord penser qu'ils se sont trompés quelque part avant de remettre en question la science établie. Et la science évolue quand les anomalies se multiplient, quand les chercheurs rassemblent de plus en plus de données extraordinaires. Mais un changement de paradigme va entraîner de fortes résistances, et ceux qui portent le changement vont devoir se montrer très convaincants. Maintenant, on va redescendre un petit peu. L'économie est loin d'être une science exacte, au sens où l'entendait Thomas Kuhn dans son ouvrage. Mais ce qu'a proposé Javier Milei a bien la forme d'un discours de changement de paradigme. Quel est donc ce paradigme dans lequel se serait enfermé l'Occident ? L'idée selon laquelle notre système serait libéral et que ce libéralisme serait la source de tous nos maux. Et dans la première partie de son discours, Javier Milei va donc identifier les anomalies que ne permet pas d'expliquer le paradigme actuel. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. D'un côté, on nous dit que le libéralisme appauvrit les peuples, et de l'autre, il y a les faits. Mais si ce que dit l'orateur est vrai, comment se fait-il qu'il soit le seul à le voir ? Et c'est l'enjeu de la seconde partie de son discours, dessiner les contours du paradigme actuel, révéler les erreurs sur lesquelles il repose et les croyances qu'il impose. Pour ce qui est des erreurs, Javier Milei revient à la source de la théorie économique contemporaine. Une bonne politique économique selon cette théorie viserait à corriger des anomalies de marché via la réglementation, la taxation, la confiscation et la redistribution. Pour notre orateur, c'est une erreur théorique fondamentale. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. Pour ce qui est des croyances imposées par ce paradigme, Javier Milei montre comment notre langage obscurcit le réel et nous fait croire que nous disposons d'une offre politique variée alors qu'il ne s'agit que de différents masques du socialisme. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Mais pour changer de paradigme, il faut finalement changer de mythologie. Quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Encore une fois, que vous appréciez ou non l'orateur, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez maintenant un nouveau plan de discours dans votre gamme d'orateurs. Je vous rappelle le plan. Décrivez le paradigme actuel, documentez les anomalies qu'il ne permet pas d'expliquer, révélez les erreurs et les croyances qui lui permettent de subsister, et finalement, motivez les forces du changement. Et maintenant, comme dirait l'autre, faites mieux. Et
bien voilà, chers amis, là, tel que vous voyez, je suis en train de terminer le montage. Je vous recommande vivement d'aller voir ce discours en entier. Je ne plaisante pas quand je vous dis que c'est un bon discours, ce discours de changement de paradigme. C'est quelque chose que vous pouvez tester, et là, vous avez un très bel exemple à analyser. Évidemment, si je voulais vous présenter ce discours, c'est parce que vous pouvez pas compter sur les médias pour avoir le compte-rendu de quelqu'un qui tient des positions comme ça. Donc, je trouvais ça quand même intéressant que vous puissiez avoir accès à ce genre de performance. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez plus de rhétorique, c'est possible. Vous pouvez rejoindre mes leçons de rhétorique mensuelles. Je vous envoie un petit cours de rhétorique directement dans votre boîte mail. L'inscription est gratuite. Ça se passe avec le lien que vous avez sous la vidéo. Et bien voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines analyses rhétoriques.